L'acte de mariage n'a pas de relation avec l'islam. C'est pourquoi on ne peut pas interdire des choses comme ça ou les permettre. Ça n'entre pas dans ce qui concerne l'islam. Ça entre dans ce qui concerne la société où quelqu'un vit. Parce que l'État ne considère pas l'al-Fatiha que Malam fait le Jum'a comme le mariage. Tout ce qui se marie comme ça, l'État ne les reconnaît pas comme des gens mariés. C'est pourquoi vous voyez l'État organise les actes de mariage et tout ça. Chaque temps, là, on appelle les gens, on les supplie de venir se marier à l'État civil. Ça ne fait pas partie de la religion. Lakin, le munkar qu'il y a dans ça prouve quand même qu'un bon croyant doit craindre Allah. Parce qu'il y a la djahliya dans ces choses-là. Vous comprenez? Par exemple, si la bague est en or, l'homme ne porte pas l'or, c'est haram. Et maintenant, celui qui porte la bague, il a l'itikad sur la bague. Beaucoup de gens savent que le mariage est fini si la femme enlève la bague et jette. C'est quelque chose de l'itikad. C'est un dogme comme ça. Toutes ces choses-là sont des munkarat. Pire encore, il faut s'embrasser devant les gens, il faut faire des choses. Ah, ça c'est des kalams. C'est kalams. Lakin, si quelqu'un a un daroura pour un maslaha shakhsiya fardiya et qu'il lui faut absolument faire ça, il lui faut absolument faire ça. Il craint Allah, il appelle l'homme là chez lui, il lui donne ce qu'il lui donne, ça finit à huis clos. Vous comprenez? C'est le moindre mal. C'est le moindre mal. Parce que regardez, si vous allez en Arabie Saoudite avec votre femme, vous n'allez jamais entrer à l'hôtel. Si on vous a fait la fête à la mosquée de Al-Uskita ou à Sunna, il vous faudrait un papier qui prouve que c'est votre femme. Même au Soudan, vous ne pouvez pas entrer avec une femme dans l'hôtel, sauf si vous avez l'acte de mariage. Vous comprenez? C'est pourquoi les musulmans doivent faire les actes de mariage. De la même manière qu'ils font les certificats d'islamisation, ils doivent aussi faire des certificats de l'État reconnaît le tribunal coutumier. Ça peut entrer dans ce chapitre-là. Vous voyez un peu, ça peut entrer dans ce chapitre. Et ça va préserver les musulmans de beaucoup de munkarat. Le vrai salat samedi, inna ruka wa tamaim wa tiwala shirkun. Tiwala, c'est le charme des choses pareilles. Les bagues entrent dans ça. Parce que les gens mettent l'itiqad, que l'amour est basé sur la bague. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.